Dépêchez-vous, elle souffre. Non, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Elle a des contractions. Oui. Vite. Mais pour qui me prenez-vous? C'est pas le marathon. Mais on est très inquiets, enfant, et elle souffre. Non, mais je vous en prie, dépêchez-vous, allez. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai accouché des centaines. Non, mais venez vite. Attention, il y a une marche. Venez, c'est là. Entrez. Fermez les volets. N'aie pas peur. Maman est là. Il faut dormir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La mousson est dans 3 mois. Quand le temps change, sans raison, ça annonce désastre et calamité. Les éléments vont se déchaîner contre les hommes. Oh!
comme de la pierre. On ne peut pas labourer. Si ça continue, nous mourrons de faim. Nos céréales sont brûlées, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Quelle catastrophe! Mais d'où vient cette calamité? Je crois en connaître la raison. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est l'œuvre du diable. Vous avez remarqué tous ceux qui sont morts ces derniers temps, tous mordus par des serpents durant la nuit? Mais oui, c'est vrai, ça. J'ai remarqué, tiens, oui. Mon beau-frère, il y a trois jours. J'ai pas pensé à ça, alors. Les anciens prétendent que les serpents obéissent aux ordres donnés par le diable. Ça alors, il a raison. Tenez, tous ces gens mordus par des serpents. Ils ne rentrent pas dans les maisons d'habitude. Ah oui, je comprends. Les forces infernales sont déchaînées contre nous. C'est pour ça qu'il y a la sécheresse. Écoutez, les démons ne sortent que pendant la nuit. Le jour, ils se cachent quelque part. Ça fait une heure que je te cherche. Qu'est-ce que tu veux? Je veux jouer avec toi. Pourquoi rester là toute seule? Maman m'a interdit d'aller avec les autres parce que je suis différente. Les parents des autres enfants racontent de drôles de choses sur toi. Ça ne fait rien. Moi, je veux bien jouer avec toi. Moi aussi, tous les enfants m'évitent. Parce que mon père est pauvre. Alors, personne ne nous empêchera d'être ensemble. D'accord. On pourra jouer tous les deux? Oh oui. Allez, viens. Manda! Manda! Viens à table! C'est mon père, il faut que j'y aille. Je vais déjeuner. Bon, d'accord. Tu reviens tout à l'heure, hein? Entendu. Dépêchons-nous, maman nous attend, hein? Ça va? Oui. Mes fleurs sont belles, je suis contente. Mais il faut les arroser.
Mais non, voyons. C'est bien trop lourd. Allez, elle va t'occuper de tes fleurs. Manda, à table. Papa, à table. Oui, j'y vais. Un, deux, trois, à moi. Eh, triche pas, hein. Oh, regardez. Venez, venez, suivez-nous, les filles. C'est Manda. On va s'amuser. Hé, Manda. Attends, Manda. La voilà, les gars. Manda, tu veux pas jouer avec nous? C'est pas gentil, ça. Alors, Manda, ça va? Pourquoi tu ne vois jamais tes cheveux? Ah oui. Allez, enlève ton foulard. Manda, t'as pas de cheveux? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Laissez-moi tranquille à la fin. Oh, lève mon foulard, tu n'auras pas enlevé ton foulard. Enlève ton foulard. Enlève-le. Laissez-moi tranquille. Oh, Manda, est une sorcière. Vous avez laissé ça, vient à la paix. Manda, pourquoi est-ce que tu as toujours ça sur la tête? Moi, attention, hein, moi, je vais l'enlever ton foulard. Patrick. Manda. Manda. Pourquoi est-ce que vous l'ennuyez? Laissez-la tranquille. Oh. Bande de lâches. Proche-tiens. Allez, vas-y, défends-toi. Allez, vas-y. Attends-nous. Ne te sens pas. Attrapez-le, les gars. Attrapez-la. Courez allez, vite. Courez. Allez-y. Allez, vite. Attrapez-la. Passez vite. Pourquoi, s'il vous plaît? Laissez-moi. Oh, oh, oh non. Tête. Allez. Enlève-toi. Non, je t'en prie, ne me touche pas. Oh, allez. Ah. Ah. Revenez. Revenez. Il est blessé. Aidez-moi. Revenez. Je vous avais dit de ne pas le faire. Oh, Dan. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal. Montre-moi ça. Tout ça est fort bien. Réponds-moi. Réveille-toi. Dan, dis-moi quelque chose. Manda. Maman. Vite, dépêche-toi. Non, je veux rester. Manda. Allez, donne-nous ta fille, dis-moi. On met le feu. Alors, donne-la. Oh. Oh!
Allez. Eh hey, les gars, regardez. Que le petit frère, hein. Ah, chut. Alors, on a des ennuis. Alors, vous êtes là, petit. Poule, allez. Eh, vas-y. Petit effort. Mais voyons, pousse en arrière, tu t'y prends mal. Ben oui. Mais tu es bête. Tu n'y arriveras pas. Allez, du nez. Allez, voyons. Alors, on va les aider. Alors, on va les donner un coup de main. Vous en faites pas, on arrive. Non, pas mal, la minette, hein. Vous auriez mieux de m'aider. Allez, allez. Ah, j'ai pas bien son affaire, ouais. Oh, on va aller aider. Alors, on peut t'aider? Non, allez-vous-en. Ah, ouais, c'est ce qu'on va voir, ça. On refuse nos services. Allez, allez, les gars. Allez. Oh. Allez, toi. Mais fichez le camp. Laissez-moi tranquille. Pas mal. Oh. Non, laissez-moi. Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas, non? Mal. Oh. Vous n'êtes pas blessé? Ah. Arrêtez! Laissez-la! Fichez-lui la paix! Mais non! Mais laissez-moi partir! On se retrouvera. Mademoiselle, vous êtes blessée? Non. Pao, mon père nous attend. Rencontre. Bien, mademoiselle. Et bonne route. Merci. Oh. Allez vite. Gentil. Monsieur, comment? Monsieur Chuen. Ah, mademoiselle Tina et moi, c'est Paro. Est-ce que vous êtes de la région? Je suis chinois, médecin de mon état. Oh. Et où allez-vous maintenant? Je viens voir monsieur Tingzan. On m'a dit que sa santé n'était pas bonne. Mmh. Oh, il est très malade. Nous allons chez lui. Et qui est monsieur Tingzan? C'est mon père. Eh bien, allons-y. Je vais vous montrer le chemin. Allez, vu! Monsieur Tingzan, voilà Pao et Tina, avec monsieur Chuen. Chuen? Par ici. Bonjour, monsieur Chuen. Soyez le bienvenu. Monsieur Tingzan vous attend. Bonjour. Enchanté. Je vous présente monsieur Chuen. C'est le médecin dont vous avez parlé. Monsieur Chuen, très heureux. Moi également. Père. Monsieur Chu est redoutable. Sans lui, nous étions perdus. Une bande de brigands nous a attaqués. Une bande de brigands? Je crois les connaître. Je vous suis très reconnaissant. C'est tout naturel, je vous en prie. N'en parlons plus, voulez-vous? Enfin, merci du compliment. Oh, père, invitons Monsieur Chu à dîner. Bonne idée. Merci. Monsieur Tingzan, je vous ai rendu visite dès que j'ai reçu votre lettre. Vous souffrez, il me semble. Je vais vous examiner. Je suis sûr que vous le guérirez.
s'il vous plaît. Merci bien. Tiens, montre-moi votre jambe. Dis donc, qui c'est ce chinois qui vient d'arriver? Ouais, il a une tête, il ne me revient pas. Je sais pas qui c'est, mais il faut le liquider. Il regarde Tina d'un drôle d'air. C'est peut-être son fiancé. Allez-y! Ouais, allez, gars, allez, allez, dépêchez-vous, allez! Hé! À l'assaut! Ouais! Je suis dans le piété pour allonner! Un homme mordu par un serpent n'a aucune chance. Et non, non, on va me sauver. Voilà le châtiment pour celui qui a brûlé mes parents. On se rappelle de mon nom? Je crois qu'il est trop tard maintenant.
un peu sale. Regardez, on y va? Oui. Allez. Chouette, hein? Ouais. Allez. Tu sais que c'est pas mal. Alors, on se promène? N'avance pas. Où tu te crois, ma jolie, hein? Est-ce toi le bandit Lupo? Je suis le célèbre Lupo. C'est bien toi qu'il me faut. Tu suivras mes ordres. Compris? Oh! Mais pas d'air, hein? Regardez! Ah, la partout! Reviens ici, je te parle. Oh! Fais ce que je te dis. Les serpents obéiront. Ils ne te mordront pas. Ah. Ah. Oh! Oh. S'il vous plaît, comment? Tu parles, mon serpent. Oui. Et ils obéissent, eux. Oui. Thank you.
Ça alors? Quoi? Ils vous obéissent toujours? Bien sûr. Je peux même les rappeler maintenant. Mais non, 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 pas ça. Non. Non, non. Tu as peur? Oui. Écoute, je te conseille de m'obéir. Ou alors, je me débarrasserai de toi. C'est pourquoi... Qu'est-ce qu'il faut faire? Exécuter mes ordres. C'est quoi? Mes parents ont été assassinés. Je veux que leur mort soit vengée. Il faut tuer quelqu'un? Vous ne pouvez pas mieux trouver. Je suis votre homme. Je compte sur toi. Tout ce que vous voudrez. Alors, écoute, ne perdons pas de temps. Allons-y, les gars. Monsieur Chouin, vous êtes aussi expert en médecine tant que vous. Oh, ne m'appelez pas Monsieur Chouin. Alors, comment dois-je vous appeler? Chou, tout simplement. Vous connaissez mon nom? C'est Tina. Mon père a eu l'idée de vous faire un présent. Oh, je vous remercie. Je vais vous le chercher. Pourquoi est-ce que vous ne fichez pas le camp maintenant que M. Ting Sen est guéri? Eh, à mon avis, tu ferais mieux de partir. Il y a un bateau qui part aujourd'hui. Et à ta place, moi je le prendrai. Il ne doute de rien. Faut peut-être lui dire que le cœur de Tina est déjà pris, pas vrai? Hein? Regardez, c'est un bilade, hein? Et il est sourd, je me trompe. Levez-vous, debout, vite, prends te ramollis. Espèce de lâche. Monsieur Chouin est mon ami. Il peut faire ici ce qui lui plaît. Celui qui s'attaquera à lui aura aussi affaire à mon père. C'est compris. On s'amuse un peu, on fait rien de mal. Prétentieux, il n'y a pas le quoi, il se prend le plus beau, le plus fort. Oh, oh, oh. Tu as raison. Alors, on a trouvé son maître, hein? Fini de faire la loi en tapant. Oh! Tina. On se retrouvera. Reculez. Écoutez, quoi? J'ai peur. T'entends rien?
ici. Écoute, pour moi, c'est une blague. Une femme qui parle au serpent. Et au village, tous ceux qui sont morts la nuit dernière, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ça te plairait, toi, de finir mordu par un serpent? Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on monte la garde? C'est pour ce soir? Oui. Faites attention. Qui sont morts cette nuit. C'est par tes serpents, hein? Le serment sur un compte de mes parents, je n'ai pas oublié. Je sais. J'irai jusqu'au bout. Et personne ne m'en empêchera. Venger tes parents, c'est bien, mais je ne crois pas qu'ils apprécieraient ce que tu fais maintenant. L'autre jour, les serpents ont mordu des innocents qui n'avaient rien fait à tes parents. Ose le redire. Ces maudits chiens paysans, ce sont eux qui ont brûlé la maison. Certains, pas tous. Pourquoi tous ces morts? Ça ne fera pas revivre tes parents. Je crois qu'il est inutile de parler encore de mes parents. Comme tu voudras. Tu sais pourquoi je suis venu. Je devine. Mais c'est impossible de me dire. Tout est fini, Anthony. Et crois bien que j'en souffre autant que toi. Adieu. Manda. 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 Reste où tu es. Regarde devant toi.
appétit. Voilà, pas de ça. Ouais, et les hommes n'ont pas l'air de s'ennuyer. Et toi? Ah! Et... ça grâce au serpent! Appelle-les. Ils obéiront, je crois. Vous croyez? Comment ça? Tu apprendras tout ça. Je préfère ne pas essayer. Oh non! Mais tu te respectes! Non! Arrêtez! Fichez le camp! Oh, pitié, laissez-moi tranquille. Je suis jeune mariée. Bientôt, je vais avoir un enfant. Tu sais que t'es belle quand tu pleures. Eh bien... Non! Non, c'est pas... Ça, alors? Ne me touchez pas! Je vous tiens si vous avancez! Approche! Mes chers amis, merci d'être venus aussi nombreux à mon anniversaire. Nous sommes tous réunis, alors amusez-vous. D'être revenu. Cher ami, heureux de vous voir. Ma chère Dahlia, alors ça va? À boire pour tout le monde. Regardez. À moi! Plus haut les enfants!
À la bonne. Oh, je suis désolé, j'ignorais que c'était son anniversaire. Je n'ai pas de cadeau pour M. Kingston. Il n'aime pas les cadeaux. Votre présence ici. Voilà tout ce qu'il aime. Sur les plans. Mesdames et messieurs, je vous demande un petit peu d'attention. Après la danse, nous allons vous proposer un match de boxe. À ma gauche, 36 combats et 34 victoires, le finaliste du championnat des Philippines, Jacques Bruce. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. À ma droite, l'espoir des poids coqs. Champion de sa catégorie, Victor West. Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter maintenant un spécialiste des arts martiaux. J'ai nommé le Chu Wen, qui va affronter notre champion de Victor West. Ouais. Bravo. Je tiens à préciser que je n'avais pas l'intention d'affronter M. West. Je le regrette. Mais je suis désolé de vous décevoir. Monte ! Je vous invite à regarder le programme que vous a préparé M. Tingsen. Merci à tous. Et que la fête continue. Attendez un instant. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Bravo! Plus fort! Thank you.
vous lui avez mis. Merci. Tina. Tina. Laisse-moi te parler au moins. Tu sais que je t'aime. Mais laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Je n'ai rien contre toi. Je ne te plais pas. Tu préfères peut-être le chinois, hein? Mais en quoi est-ce que ça te concerne? Mêle-toi de ce qui te regarde. Ah, tu vas voir. Je vais m'occuper de lui. T'as peur pour lui, hein? Avant, oui. Mais plus maintenant. C'est que... il est le plus fort. Salut, chinois. Je te parle. J'aime qu'on me réponde quand je m'adresse à quelqu'un. T'entends? Et maintenant, bats-toi si t'es un homme. Bon, très bien. Tu paies rien pour attendre. C'est ici que commence la forêt. Et par là, il y a un lac. Je n'aime pas rester toujours au même endroit. Est-ce que vous vous plaisez aux Philippines? Oui, vraiment, oui. J'espère que vous n'allez pas déjà partir. Non, pas encore. J'apprécie beaucoup votre hospitalité. Bonsoir, mademoiselle Tina. Bonsoir, monsieur Chuen.
Je peux te désaltérer. Bien. Avance. Je n'aime pas cet endroit. De quoi est-ce que tu as peur? Je veux te protéger. Vous êtes belle. Tu es joli garçon. Je t'aime. Comment est-ce qu'on l'a retrouvé? Le corps flottait dans la rivière. Son visage était vert. Quel malheur. Si jeune. Il a été mordu par un serpent. Tout le monde meurt comme ça dans la région. C'est une malédiction? Quel malheur. Il venait juste de se marier la semaine dernière. Merci, monsieur. On n'avait jamais vu ça. Pourrais-tu m'expliquer la raison de cette visite? Je voulais m'assurer que tu étais bien là. Beaucoup de gens sont morts ces derniers temps. Oh. Tout le monde meurt. Mordu par un serpent. Je ne trouve pas ça normal. Manda. Pourquoi? Fais-moi confiance. C'est moi, ton ami. Il faut m'écouter, s'il te plaît. Au nom de notre enfance.
jouer tous les deux. Pourquoi tu restes seul? Mon Michel, jouer tous les deux. Je suis livrée. Tes parents, des autres enfants, racontent de drôles de choses sur toi. Ça ne fait rien. Moi, je veux bien jouer avec toi, d'accord? Moi aussi, tous les enfants m'existent. Parce que mon père est pauvre. Alors, personne ne nous empêchera d'être ensemble. D'accord. On pourra jouer tous les deux. Je t'aimais. Tu me défendais contre eux. Et puis après, les paysans. Je sais. Essaie de l'oublier. Ce qui compte, c'est l'avenir. Toutes ces années ont été dures sans toi. Je veux t'épouser. Je continuerai à te protéger. Tu es courageux. Non. Viens avec moi, Amanda. Je ne partirai pas sans toi. Les serpents sont contre nous. Regardez-les. Monsieur Chuen. Oui, tu me cherchais? Oui, Monsieur Chuen. Lupo et sa bande sont après vous. Ils vous recherchent pour vous provoquer. Il faut que vous en allez. Lupo est très dangereux. Lupo? Mais je ne le connais pas. C'est le chef d'une bande de malfaiteurs. Et qu'est-ce qu'ils me veulent? Les
sûr que c'est ce gars-là que tu veux? Mmh, ouais. Ah. Allez! Venez, les gars! Qu'est-ce qu'il va prendre? Retirez-vous! Mais t'es pas bien, non? J'ai pas dit mon dernier mot. Allez, venez, les gars! On l'aura la prochaine fois! Et on se retrouvera! Eh bien, ils s'en souviendront, vous les avez eus! Venez! Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous? Qu'est-ce qui vous prend de venir vous introduire ici en pleine nuit? Je vous ai fait confiance. Vous n'avez pas honte? Hein? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Prenez-moi tout, mais vous me paierez ça. Oh, oh, je te déteste, tu disais que tu m'aimais, mais tu mens. Et comme ça, quand on s'aime, on n'est pas là pour s'amuser. Assaut! Non, ne me touche pas! Où est le chinois? Hein? Oh, père! Père! Un salaud! Regarde-le bien. En voilà un. Je vous ferai pendre! Ils seront tous pendus, sauf un. Moi, j'ai un otage. Recommence et je te fais une entaille. Venez voir! Vite!
Avance. Allez. Plus vite. Je vous ramènerai votre fille. N'ayez aucune crainte. Ma fille, je vous remercie. Monsieur Chuen, ils ont emmené Tineb dans la caverne. Et moi, fier maintenant, hein. Je vous déteste, bande de lâches. Alors, Fedor. Faudrait qu'on se marie. Ça jamais. Tu feras ce que je te dis. Je saurai te faire obéir. Tu es entièrement à moi. Fichez le camp. Désobéi aux règles de notre groupe. Mais... Sais-tu ce qu'il en coûte? Laisse-la! Regarde, je n'ai qu'un mot à dire. Tu peux la tuer, mais tu ne peux pas l'obliger à t'aimer. C'est compris? Ouais. J'aime qu'on soit obéissant. Quant à toi, tu restes là. Entrez là-haut. Thank you.
Tu vas voir ton champion ce qu'on va en faire. Allez-y. Pauli. Oh, je joins mademoiselle Tina. Regardez qu'est-ce qu'il prend! Adoptez-vous!
Non. Ouais. Ah, non, mais que c'est vous. Allez. Encore. Mademoiselle Tina. Bien joué. Mademoiselle, rentrons à la maison. Thank you.
Et c'est bien vous qui avez tué tous ces gens au village. Ils étaient tous innocents. La vengeance a sonné. Non. C'est la mienne. Il y a bien longtemps, des paysans ont tué mes parents. Puis ils ont brûlé leur maison. Parce que leur fille était anormale. Après l'assassinat, je les ai vengés de la honte. Ha 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 ha!